Bonjour, c'est Fireglass. On se retrouve donc pour un bug de la quête défi numéro 8 qui ne marche pas à partir de deuxième stat. Donc je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe. Donc c'est pendant la démonstration. Donc déjà on va commencer par le premier truc pour vous montrer que c'est pas un bug que je fais moi avec ma commande. Je vais bien suivre tout ce qu'ils vont me demander. Vous allez voir que après donc celui-là, donc après cette démo, donc on a la possibilité de faire le personnage normalement, et après la démo suivante, bah, il se passe quelque chose qui normalement ne devrait pas se passer. Donc je fais cette vidéo pour Bandai justement pour que il puisse régler le problème. Voilà. Donc ça c'est fait, donc en sachant que c'est la dernière mission qu'il me reste à faire en plus, donc du coup ça me bloque pour le trophée, et donc c'est ici. Regardez bien. Voilà. Vu que l'on cogne contre un rocher, le combo s'arrête et on peut contrôler le perso. Donc là c'est bien moi qui contrôle les mouvements de mon personnage, donc du coup. Et ce n'est pas un bug s'il y a marqué Sangoku, c'est parce que mon personnage est à l'effigie de Sangoku. Donc voilà, donc je ne peux rien faire en fait véritablement. Je peux juste me déplacer comme ça. Donc je pense que c'est pas normal, parce que normalement je devrais pas. Et donc le maître du coup bah en fait suit mes déplacements comme si j'étais plus dans la démo. Alors est-ce normal? Je pense pas. Je pense pas que ce soit voulu aussi. J'ai tout essayé de marteler ma manette pour voir si ça me faisait quitter la démonstration ou quoi. Mais rien n'y fait. C'est toujours la même chose. Donc c'est très énervant puisque je ne peux pas jouer du coup. Vu que je suis bloqué là-dedans. Et je ne peux donc pas débloquer certains maîtres. Ce qui est très embêtant. Donc ce serait sympathique si Bandai pouvait régler le problème. En attendant, je vais mettre cette vidéo sur YouTube, sur les réseaux sociaux, donc Facebook, et en attendant que le problème soit réglé. Voilà. Merci de partager cette vidéo pour faire comprendre aux éditeurs du jeu qu'il y a un bug au niveau des quêtes défis, de la quête défi numéro 8 précisément.